Oia, tahi a koutou ni a oi tene popo I vai e ia mai tene e walo matou no tatou. E he kauko mai nei tatou pōha a me waha ia te kau te oko ni te ia ai te ia a. Nō kei kei tene popo I, me taupei a tatou I ka poi honi ta tatou manhi I tene a. O tō tatou hoa o Ludo, o Ludo e Veto hoi ta tatou te anu, o Ludo Verfai. Ta tatou I manhi I, e tātihi tene no te keke o te Amimara, o te tie mai nei tene popo I, no te te kau I tatou. Nō ka hoa ia o te tei Amimara, ta tatou. Tau e I tenei, e hakai nei, e kai nei, e I tenei pautu te a, o ia ho I te puaka. Mo kei ka, I te mai e Ludo, I tenei popo I, no te te kao, no tatatum, tau puaka. Ludo, ka au anui, bienvenue sur le plateau de te okoni, comment vas-tu? Ka au anui, Lucien, Taria, les auditeurs. Ça va très bien, merci, merci, merci. Voilà, merci pour l'accueil. On t'a pas retrouvé ici aussi, tu étais dans les îles, j'imagine. Oui, j'étais parti sur Hivaoa la semaine d'avant, là, voilà. Pour une dizaine de jours. Ouais. Voilà, pour mission, on va dire ça. Oui, bien sûr, pour voilà. Aller s'occuper des animaux là-bas. Alors, ce matin, nous allons parler un peu de la prévention des cochons. Hein? Ouais. On va changer un peu de style d'animaux, on va parler exactement. De cochons. Alors, on va parler de l'habitat des cochons, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu peux nous apporter sur cette prévention-là des cochons? Alors, déjà, on va parler de l'élevage familial. Hein? On ne parle pas d'élevage industriel, de gros élevages, où là, ça demande pas mal de technicité. Oui, oui. Et ça ne va pas concerner beaucoup de monde. Oui. Donc là, on va parler... familial. Voilà. Mmh. Tout à chacun a chez soi un ou deux cochons voilà. Pour recycler les restes de repas. Et on va parler de ce côté-là. Voilà. Alors, quand on va parler de l'élevage familial, en quoi consiste ce genre d'élevage? Alors, on va partir de ce qui se fait habituellement et on va voir comment on peut améliorer un petit peu le système, s'il y a besoin, pour... le meilleur bien-être du cochon et sa meilleure santé, et du coup, pour qu'on puisse mieux vivre avec lui, et puis que quand on le mange, on a de quoi manger. Quoi. Voilà, parce que avant, du temps de nos parents à nous, les cochons étaient nourris pas loin de la maison. Uh-huh. Et avec les nouveaux gestes barrières qui sont arrivés ici, avec l'administration qui s'est mise en place, tout, ouais. On a retiré maintenant les cochons, les chèvres, les chevaux, tout de la maison. Ouais. Et on les emmène un peu plus loin. Il y en ouais. a qui emmènent à côté de la rivière, il y en a qui emmènent plus loin dans leur ouais. champ. Ouais. En même temps, il y a la bananerie, il y a l'élevage tout à côté, tout, c'est et qui gênent personne. Ouais. Alors, quelle est la meilleure solution ? L'ancien ou la nouvelle? Alors, on va regarder, en fait, c'est quoi les besoins du cochon pour décrire qu'est-ce qui va bien fonctionner pour lui. Voilà. Et pouvoir, pas critiquer, mais regarder différemment voilà. ce qu'on fait aujourd'hui ou ce qu'on faisait avant voilà. pour l'adapter par rapport à la situation d'aujourd'hui. Quoi. Voilà. Alors, pour démarrer notre élevage familial, bon, on est arrivé à une certaine époque où c'est résolu tout ce qui est fait avant. Hein? Et c'est compréhensif parce qu'avant, tout était à la maison, on ne disait rien, on ne pouvait pas aller porter plainte, il y a l'odeur, il y a le machin, le machin. Et puis c'est tout le monde qui faisait pareil. Ouais. Je le faisais, le voisin faisait, tout le monde faisait. Il y a toujours un ou deux cochons à la maison. Ouais. Alors si on allait porter plainte, il fallait enlever tous les cochons du village. Alors, et deuxièmement, l'odeur, c'est vrai qu'avec ouais. cette odeur-là, les mouches, ouais, quand ouais. c'est la saison des mangues, je prends un exemple, quand c'est la saison des mangues, on voit que tout ce qui élève des cochons, elle amasse les mangues par seau, ils emmènent à côté des cochons et vas-y, et puis les mouches, il y en a en pagaille. Et oui. Donc maintenant, je crois que moi, c'est moi qui dis ça, hein, moi, c'est maintenant, moi, je dis ça pour cette nouvelle génération, il est temps peut-être d'éloigner un peu les animaux ouais. de la maison parce que premièrement, la santé, oui. c'est primordial la santé. Mmh. C'est pas pour dire que les cochons, c'est pas leur lieu ici, mais bon, c'est pour la santé tout d'abord. Oui. Mais comme tu dis, il y a l'élevage familial. Comment on va procéder à cet élevage alors, comme tu l'as dit? C'est ça. Alors, c'est tout à fait juste. Le mettre un ou plusieurs cochons juste à côté de la maison, il oui. y a un problème d'odeur, il y a un problème de mouches qui peuvent contaminer, il voilà. y a un problème de contamination nous-mêmes voilà. par les ascaris par exemple, hein. voilà. les vers qu'ont les cochons sont les mêmes que ceux voilà. qu'ont les enfants et
Donc chaque ascaris va larguer 1000 œufs par jour dans leur crotte. Tu imagines un peu ça? Quand voilà. On vient, on nettoie tout ça, et puis, ou bien ça reste comme ça, et puis on piétine dessus avec les malades. Exactement, tout ça. Voilà. Donc il y a vraiment des problèmes. Il y a les salmonelloses, éventuellement, oui. Quand les cochons ont des diarrhées, des fois ça peut être à cause des salmonelles, ça peut nous impacter fortement. Exactement. Bon, les gales, c'est pas les mêmes. Oui. Hein, la gale du cochon, c'est pas la même que la gale de l'homme. Donc nous, on peut pas la voir, à part si on est vraiment fatigué. Mais quand même, ça fait pas mal de pépins. Qui fait que le cochon, juste à côté de la maison, c'est pas bon. Il faut l'écarter de... Donc il était temps de faire la part des choses. Hein. Ouais, ouais. Après, il faut dire aussi qu'avant, les gens étaient plus résistants. Et ils étaient confrontés sans cesse à tout un tas de microbes, ce qui faisait que leur système immunitaire était très fort. Et ils mangeaient une nourriture très saine. Et ce qui fait qu'ils étaient très costauds. Et maintenant, quand on mange surtout des trucs du magasin, du poulet élevé on ne sait pas comment, trempé dans la javel, enfin j'en passe et des meilleurs, clairement notre système immunitaire est moins fort et on est plus fragile de maladie et donc ce qui fait que bon bah on doit prendre ça en cause et on est plus sédentaire globalement hein, ce qui fait qu'on est plus mou, on est plus fiou et on est moins costaud voilà. Hein. Donc on sera plus sensible aux maladies que peuvent nous apporter les cochons. Donc c'est déjà premier signe, premier point, il faut les écarter un petit peu, quelques dizaines de mètres, hein, sous le vent de notre maison, mais si possible pas au vent des autres maisons, donc voilà. C'est pas évident. Voilà. Quand on est à Taïuhae, quand on est dans le cœur des agglomérations, des bleds, bon bah là c'est sûr que c'est pas forcément génial, il vaut mieux les mettre plutôt au Fapu qu'en plein cœur de la vallée, maison, on va dire, plus loin que les maisons, voilà. C'est ça. Ouais. Mais j'en vois, c'est pas des personnes qui m'ont rapporté, je vois que jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui élèvent dans la rivière. Alors là il y a un gros problème. Voilà, et c'est ce que j'avais dit, ouais. Que, parce qu'il y a déjà au niveau de la mairie, ils ont déjà installé des panneaux disant que plus d'animaux dans la rivière, genre le cochon, genre le cheval, tout ça. Mais on l'espère quand même. Et après, quand on nous impose des amendes, on dit que la commune, alors qu'on nous a déjà prévenu. Ça, c'est pas moi qui l'invente. On voit. On peut aller à la mairie, il y a un arrêté qui dit que on ne doit plus alimenter les animaux dans la rivière. Et tu le confirmes. Alors, c'est super juste. C'est vraiment juste. Et là, il y a vraiment un grand problème de santé publique. Pour nous, les hommes, hein, pour nous, les humains, quoi. D'ailleurs, donc en fouillant un petit peu pour préparer cette émission ce matin, là, j'ai lu hier qu'on ne devrait pas mettre des cochons à moins de 35 mètres d'un point d'eau. Que ce soit un captage, que ce soit une rivière, parce que le risque que ces déjections contaminent est trop fort. Alors, ça va contaminer avec ces déjections, donc les problèmes chimiques, les nitrates, donc là c'est toxique. Hein. En Bretagne, on ne peut plus boire l'eau du robinet tellement elle est contaminée à cause des nitrates des cochons. Et là, ce sont les élevages industriels où ils épandent le lisier dans les champs. Mais les plantes n'ont pas le temps de tout absorber, c'est lessivé. Et donc. Et on en voit ici à Travaux, ils sont en train d'épandre dans les champs de bovins, là. Voilà. Ils épandent et tout ça. Ah ouais. Et je comprends maintenant pourquoi les associations se lèvent. Hein. Oui, parce qu'il y a l'odeur, mais il y a surtout la pollution. Voilà. Et bon, là, c'est sûr que là, quand on a un petit élevage, on n'a pas ces quantités de lisier ou de fumier qui produisent un gros élevage industriel. Hein, donc là, c'est un problème typique de la Bretagne. Mais néanmoins, la leçon, on doit l'écouter. Quand on laisse trop d'animaux et leur déjection apporter de l'eau qu'on va boire après, parce que ça passe par les rivières ou les captages et tout ça, on va être contaminé. On va être contaminé d'abord chimiquement par les nitrates, et ça nous abîme. Et quand l'eau est contaminée, on ne peut pas la purifier. On peut mettre n'importe quoi comme filtre qu'on veut. Il y aura toujours autant de nitrate dedans. Et là, en Bretagne, ils boivent l'eau de bouteille. Hein, s'ils ne veulent pas avoir de cancer et compagnie. Hein. C'est quand même dramatique de ne pas pouvoir l'eau... L'eau naturelle. Hein. Pour des raisons de choix politiques. Hein, on va faire la Bretagne, ça sera l'élevage des cochons pour toute la France. Merci les présidents de l'époque. Bon, bah maintenant, l'eau est polluée. Même pour dire, quand on traverse la baie de Saint-Brieuc, donc dans le nord de la Bretagne, à la voile de nuit...
On sait qu'on est arrivé parce que l'eau de mer sent le lisier. Ah, d'accord. C'est pour dire à quel point la pollution elle est massive. Donc là, bien sûr, on n'en est pas dans ces, oui, dans ces proportions-là. Tant heureusement. Mieux, heureusement. Voilà. Voilà. Mais pour moi, le plus gros problème, ce n'est pas tant chimique lié au nitrate, ici, hein, oui, par rapport à, au petit nombre de bêtes qui seront à proximité de l'eau, c'est la pollution bactériologique. Ah, d'accord. C'est les bactéries qu'il va y avoir dans les crottes et dans la pisse et dans l'urine. Déjà, il y a un problème majeur, c'est la leptospirose. Oui. Hein? Donc, il faut savoir que cette leptospirose, c'est une maladie qui survit, c'est une bactérie en forme de spirale qui survit dans la boue, dans les endroits humides, et qui est capable de traverser même des peaux saines. Bon, c'est plus facile pour elle s'il y a une blessure, oui, mais c'est capable de traverser la peau saine. Et ça touche les mammifères. Et ça va le rat. Donc, le très connu, c'est le rat, voilà, mais aussi les cochons, et aussi les chevaux, et aussi les vaches, et aussi les chèvres, et aussi l'homme. Voilà. Ce qui fait que pas mal d'animaux peuvent être porteurs sans être malades. C'est-à-dire qu'ils ont des bactéries de la leptospirose dans les reins, pas assez nombreuses pour qu'ils soient vraiment malades, on ne le voit pas. Bon, ça bricole un peu, ça grossit moins vite, voilà. Mais ce n'est pas vraiment flagrant. C'est pas vraiment flagrant. Par contre, ces animaux-là vont larguer des bactéries dangereuses pour nous dans leur urine. Et donc, s'ils sont à côté de la rivière, ah, l'eau de la rivière va être contaminée. Voilà. Et donc, des gamins qui vont se baigner 50 mètres plus bas, s'ils ont des blessures au pied, à la main, ils peuvent être contaminés. Et là, là c'est très sévère. Hein. La plupart du temps, si on ne soigne pas les leptos, on meurt. Quoi, hein. Et on a 4-5 jours pour se faire traiter par antibio. Après, ça peut devenir critique. C'est vraiment sérieux. Et là, les cochons peuvent être porteurs asymptomatiques, chroniques, de leptospires. Et là, c'est un problème vraiment... un gros problème pour nous, et on peut y être touché, et régulièrement, il y a des gens qui sont évasanés pour la lepto, et ça peut être à cause des cochons à côté de la rivière. Alors, pour toi, il est strictement interdit, enfin strictement interdit, il n'en est pas question d'élever à côté des rivières. Ben, tu dis à 35 mètres, c'est déjà... Hein, 35, ouais. Quand on comprend ça, on se rend compte que ça peut être criminel de laisser un cochon se baigner dans la rivière. Alors, comment alors allons-nous élever nos cochons? On arrive à ce moment-là. Voilà. Moi, je t'ai donné un exemple que je le pratique, pas loin de mon farapou, mais je suis situé un peu trop loin du village, quand même, il faut aller en voiture et tout. Ouais. Et puis, j'ai mon champ de bananes, mm-hmm, je le fais juste à côté. Ouais. Comme ça, les bananes qui sont trop mûres, je leur donne, mais c'est sur place. Voilà. Et il n'y a pas d'odeur, il n'y a personne à côté, j'ai pas de ruisseau, rien. C'est juste un tuyau d'eau que j'ai fait envoyer là, c'est pour l'eau. Voilà. Alors, est-ce que c'est la bonne solution aussi? Alors ça, c'est une très bonne solution. Maintenant, on va voir, en gros, ici, il y a deux manières qu'on a d'élever les cochons. C'est à l'attache, souvent attaché par une patte, oui, avec une corde, un nœud coulant, et dans un parc. Un petit parc en tôle, en palette. C'est ce qu'on le fait ici. Voilà, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. On va voir ces deux côtés-là, parce que les deux côtés ont des avantages et des inconvénients. Hein. Une bête à l'attache, le gros avantage, c'est qu'on déplace la bête régulièrement. Donc, ça va permettre de débrousser des coins et de nourrir le cochon. Voilà. On le déplace au fur et à mesure. Et puis, ces déjections restent au sol, ça enrichit le sol. Ça ne va pas tout s'entasser à un même endroit. Donc, ça va faire un pic de pollution susceptible de toucher la nappe phréatique. Hein. Ce qu'il faut voir, c'est que quand c'est la concentration des déjections qui cause un problème. Donc ça va être lessivé par la pluie, ou ça va aller dans la nappe phréatique, et ça va finir dans les rivières et à la mer et tout ça. Mais si le cochon il est déplacé régulièrement, forcément, ça va enrichir le sol, point barre. Ça n'aura pas le temps d'aller polluer quoi que ce soit. Donc c'est excellent pour, par exemple, ensuite, on laisse le cochon débrousser là, on le déplace régulièrement, il faut bien sûr lui amener à manger et à boire, à manger en complément et puis à boire. Mais là où il est passé... L'endroit est débroussé, c'est enrichi par ses crottes et puis son urine, et on peut planter, et c'est bien pour le fapou. Voilà. Hein? Je vais essayer de traduire un peu ce qu'on a dit. Carrément. Puis on revient. Carrément. Oui,
E me tau i pe a auto i ka pone, o te mene tō tato hoa o lido i o tō tato tō puha, me baha i e tika wate o konu, tene popo i, a e mau e tika ono te tau mani ni tika ue, no te me ananu, 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 ni tase o tene tumu te kau, e tika o a tato i tene, no te ni animara o te puaka, o te tato i hakei ni tato i puaka o mua, nā po tō tato tau motua kui, hakei ni tato i koko te hae, ia pai hua mai mi tamari popo hei te kui, me te motua hanu hakei puka e apai tua mai tomu ma, kwa e haoti, e te ai e tai. E I tēnei tai hou tātou nei, haakua I a tēnei ama, te te mai te ture a te hao, e te mea te au e, e tu e tātou hakai te, te animara mā kakoto tātou hae, ia haa mamau mi o tō tātou hae. O te hana ia e tupu nei I tēnei, ko e nui tātou e te he kau te ama e puaka, e hao e piha, e a e mene mā kakoto hae, haa mamau ia mi o tō tātou tau pohu e ia hua a hae. Te tōmu, te tōmu, e nāme tēnei tau mate, tā tātou e I tēnei tau a wāua, mea ke te koa o te epokau, mea ke o te tikau, e, mea ke o te tuhia, te ia tau mea pautu, e peke mai tai pitoto kopuhu a mā apai mai a, e ui ahua mea, haamana ia I tēnei ture, haama maumi o tō tātou tau pou e I ahua a hai. Te tōmu te te anu te mate. Tā mamo ia tū tātou mi o tū tātou hae, kami ia tātou he koko ka awai. E nāma te mea koko ne hot ka awai. E haka I te mai a te ture ia tātou, ko e nui e kua kai haka I kau te amimara I o tō te ka awai. No ke ika tātou I te nea wanei, tapu nui te haka I te puaka, mā te kau kau ka ka awai, a kua I o tō te ka awai. No te mea, mea nui te taumate e I te iane, mi o tō mai o te puaka. Me mea e nāti me puka iuta, kokot ka awai, akua iutut ka awai, e heke mai te a piau, te a tūta, te a tau mea pautu, toia mimi pautu, e te keo te vai, me mea e nāti tātātu tohu ata mai, kaukau ata vai, hamere mitai a oa tua, e hemo tēnei tauto iki a tātu I te mate, kua ka mai e tēnei mate, iene hei te leptospirosa, tā tēnei e hoa tātu o ludo e kai te mai ne, e he hemo I te amate, E nāma te mea e pou e mai mea e oa, e nāma te mea e mate nui atu, a weha a tātou I tia ki, ia tia I a, e nāma te mei e ua haka tu haka I a puka e I tēnei tātou I tēnei. Te puka e haka I a ne he hou hii, o iha I humu I a nā mai mai, e pau he put puka ma I a, e nāma te puka I o tō te pāpua, pāpā tātou I o ti tei waha I he nua, tā mau me te tau veo pautu, te tau e pānio ni, watukutu nā puka I o tō, e nam te iha katu mea, mui kokot ka awai. Tou ono huma ima meta te mamau mi o te ka awai, mi o te taupuna I awai, a teine ko ana I tatu I kanea. Mui kau kau, e ko ana ho ata mate no te mea, e he e tine I tau te keo pauto te ne amimara, I oto te henua I a o kau mai ato mahe vai, mai a mai a, wa te keo to tato una ka awai henua. Tene a, te hakai I uka te hui I wa ana e luido, titai o titai haka I kana hau te a. E ha te tomu, no te mea, he hou hii, e haka I tatu te rea, a tapu I tō e vevete mai mi inei apai atu, a e te a te keo e he e atu, wahi ke atu, no hone heo te a te keo I o te a wahi, no te mea, se tū tae pautu, na e kāwhi to te a e po pautu, o no hone heo I a. Ye tau I ana, wa mō hua wai pautu, o kūtau te henua, a e pe oho I tatu kūtau te henua, I he e kau mei tatu, no te whaapu, no te nanu hukam te te mau, te taitai wa kanahau hua e pone. Ako e hua hako mai tato mpua ka I uka iho, kanahau hua wai ne, no te mea o poropata maa e a te ia tau hei pautu. Te hakai te a he tōua. Tēnei e hohi iho I tātato I pia honi. Te ua o te hakai ia I o tō te pāpua tau ia e hui hui te maakau o tō tato hoa o Lido. Alo, la dizia me faso di lewe, e Ludovic, se dans les parcs. Oui. C'est bien ça? Mais bien avant, il y a quelque chose à rajouter. Oui, je voulais dire, pour le cochon élevé à la tâche, on a vu les avantages. Hein, mais il y a des désavantages. Mais il y a des inconvénients. Ouais. Voilà. Premier inconvénient, c'est la fragilité par rapport aux attaques des chiens. Hein, un cochon qui est attaché, il ne peut pas se défendre. Oui, ouais. Il a pas de chance. Voilà. Hein, donc, ça suppose quand même qu'il n'y ait pas de chien dans le quartier ou qu'on n'habite pas trop loin pour entendre. Parce que là, il est vulnérable. Voilà. Hein, et ça, c'est un problème quand même. Surtout si les plus petits, Si c'est une femelle qui vient de mettre bas, les petits bonjour. Ils sont en danger. Voilà. Hein? Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est les plaies d'attache.
Souvent, Faut on les attache. changer souvent. Hein. Et après, des fois, Voilà. on laisse trop longtemps, ça sève, ça C'est sève. ça, c'est ça. Alors que c'est mieux de peut-être de changer souvent. Ouais. Ou Voilà. alors, le problème, c'est qu'on fait un nœud coulant. Voilà. Comme ça serre fort, on est sûr qu'il ne va pas se barrer. Ouais. Mais comme ça serre fort, ça empêche le sang de Voilà. passer Et il va s'émousser. et ça finit par blesser Voilà. jusqu'à l'os. Alors, le cochon est très costaud. En général, il survit, même avec une patte en moins. Oui. Mais bon, voilà. Totalement l'idéal, quoi. Non, il ne va pas Voilà. grossir, il ne va pas faire de Et il y aura des petits. séquelles. Exactement. Voilà. Donc, soit on fait un nœud pour empêcher le nœud coulant de se serrer trop, pour pas que ça fasse garrot sur la pâte, soit on l'attache par un espèce de harnais. On peut faire ça par exemple avec une ceinture de Voilà. sécurité, on passe devant Comme les les chiens, pattes, quoi. exactement derrière les pattes de devant, on attache sur le dos, et là ça va beaucoup moins abîmer le cochon et D'accord. ça va quand même bien le tenir. Voilà. Mais le système ici au Marquis, je ne sais pas si tu vois souvent, il prend des feuilles de bouleau, là, les écorces de Ah, le bouleau, bourreau, voilà, le bourreau, et il le laisse sécher. Et après, une fois séché, ils font des tresses épaisses Ah, bah, là-dedans. c'est bien ça. Et quand on les met sur les pieds du cochon, on le règle à la grosseur de sa patte. Ah, bah, c'est Et parfait. après, on attache un genre de ficelle pour qu'il ne glisse pas. Une D'accord. fois que la pâte commence à s'abîmer, il le desserre. Il découpe sa main, il le desserre. D'accord. Et après, enfin, c'est ce qu'on fait ici, hein. Eh ben c'est parfait ça. Voilà. Et après, au bout du bourreau, là, de la corde de bourreau, on fait un nœud et on attache la corde dessus. Comme ça n'atteint pas le pied. La Voilà. plupart le font, hein, la Ouais. plupart. Ouais. Mais je ne sais pas si c'est partout comme ça. Mais je sais qu'il y en a qui le font, il y en Oui. a qui ne le font pas. Ah Pour ouais. plus de. Ils veulent C'est simplifier, ça, c'est voilà. ça, ouais. Ils ont pas le temps, mais Ouais. pendant ce temps-là, l'animal, elle a mal, quoi. Hein. C'est ça. Et puis, le système qui est encore mieux, c'est ce que tu dis, avec un harnais. Mais bon, Voilà. ce n'est pas tout le monde qui pourra prendre un harnais pour l'animal aussi, hein. Exactement. Alors Voilà. après, ça n'existe même pas dans le commerce, des harnais pour Voilà, cochons. Donc voilà, c'est à voilà. bricoler soi-même. Voilà. Moi, ce que j'ai vu faire en Calédonie, c'était avec des vieilles ceintures de sécurité Oui. ou avec avec du calicot, avec du long Voilà, tissu voilà. qui permet que ça ne va pas abîmer. Voilà, Et sur le tissu, on attache, voilà. sur le haut du dos, on attache la La corde, corde. voilà. Il faut que la corde soit assez longue aussi pour qu'il puisse avoir assez à manger et tout Exactement. ça. Et là, on a quelque chose de fonctionnel, Voilà. là. Mais comme tu disais, là, Ludovic, c'est vrai que l'avantage qu'il a, c'est que, comme tu disais, on peut le changer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il y a aussi son désavantage, c'est que, comme tu dis, les chiens, alors, soit on surveille, soit on ne le met pas trop loin de la maison. C'est Quand on ça. l'entend C'est gueuler, ça. on Voilà. monte tout de suite le voile. Ah Ben, ouais. c'est vrai que ça nous arrive Et oui. aussi. Quand on arrive, on voit ce massacre là, le matin, c'est désolant, mais bon, ça arrive. Ouais. C'est les aléas de l'élevage, on C'est va dire ça. ça, C'est ça, mais ouais. c'est comme ça, hein. Donc c'est bien de connaître tous ces pièges Ouais. pour éviter Voilà. de tomber dedans, ouais. Voilà. Oh, yeah. Et tenez, il quand on lui donne pas une note, il t'a pour qu'à chaque il y en ait oui. Il te met tantôt et mais nous il y a tantôt et il te met maintenant et il te met maintenant il y a notre mais chaque il y a du pour qu'à dire tantôt ah et te met notre tantôt qui en a né et tantôt il chaque tantôt pour qu'à mais n'a pas oui mais à canal mais t'es oui notre mais t'es oui et tout tantôt qui a et il y a mo oh à kaya wanino il y a pas tout notre tout tout est vrai vrai. Et puis on est lui donc tu tout mais à canal mais à quoi mais à te vai vai à être et mais et à vous va va te ne pouca maya maya et n'a pas mais mais à tau i et motoku do va va te ne pouca et va ni et tato maritirio et tato tato animal ai oui a mais mais au et n'a pas te ne taia et au maini et hum me te taka ma copu mais mais tato et te ne te tau peto no te mu i i mamai mu i i peto i va va te tau kato o i ti te kato te mea a e paki ka i ne to te ne hakatu te atau puka hakai i ne he hohi te mea nei o i te ia nei o te peto i i te peto te mea he ana nei te i te apuaka i au ke ia e hano hoa ia e kai hoa ia i te apuka no te mea mo homu ia a e puka i te apehea te papua ia ia me mea koitu to e ki he atu a pohu e me mea o e po a hua tu tau o popohu pike hoa koe koe o i atu mea i te ia nei i uka hio te puka haka ia nei me te hohui mea kana hau
Alors, et l'élevage en parc? Voilà. Alors souvent, ce qu'on voit ici, c'est quatre palettes attachées ensemble, voilà. Quatre petits bouts de feuilles de tôle, voilà. Et puis un cochon dedans qui a en général pas beaucoup de place. Voilà. Hein. C'est le plus commun de ce qu'on trouve ici, hein, avec oui. Pour la tâche. Alors, ce qui est mieux, c'est qu'il y ait de la place. Voilà, c'est ça. Pourquoi on commence direct dans le sujet. Oui. Merci, merci Lucien. On voit le connaisseur. Hein. Oui. C'est que le cochon, il est propre. Il a besoin d'un endroit propre pour dormir, d'un endroit où il mange, d'un endroit où il fait ses besoins, et si possible, d'un endroit où il peut se plonger dans la boue. Voilà. S'il a ces quatre endroits, le cochon, il est heureux. Et il faut bien sûr qu'il soit quand même protégé un peu du soleil, voilà. Il faut qu'il ait de l'ombre. Il a besoin d'ombre. Hein. Surtout pour les cochons blancs qui vont cuire avec les UV, hein, qui vont avoir des coups de soleil, mais qui vont aussi, ça vient par des tumeurs cutanées. Hein. Tous les animaux blancs qu'il y a ici, quand ils n'ont pas d'ombre, ils finissent avec des tumeurs cutanées. Et c'est vraiment des tumeurs agressives, invasives, qu'on ne peut rien faire. Hein. Donc, Les quatre fondamentaux, c'est ça. Hein. Comment? Les quatre parties fondamentaux de voilà. Ce cochon, hein, c'est ça, ouais. Hein, quand il est en parc. Hein. Voilà. Donc, il faut que le parc il soit assez grand oui. Pour un cochon ou pour plusieurs cochons, pour qu'il puisse avoir un, au singulier ou au pluriel, puisse avoir un coin propre où il va dormir. Et le cochon, il fait pas caca n'importe où. Hein. Oui, oui. Un coin, il fait ses besoins. Hein, et un coin où il mange. Et si possible, un coin où il peut va pas se rouler dans la boue. Voilà. Parce que il adore ça. Ça l'aide à se rafraîchir, voilà. À débarrasser ses parasites externes. Voilà, c'est ça. Ça sert beaucoup la boue aussi pour ouais. Le cochon. Hein. Ouais. Il en a besoin. Hein. Ouais. C'est pour ça que sûrement que les gens mettent au bord de la rivière. C'est oui. Parce qu'on voit le bonheur qu'ils ont de se dans la boue. Quoi. Dans la boue. Oui. Et tu sais, Hakatu, Hakaya Puka, Tene, Hakaya Yoto Papua. Et Pewa Ludo, Yoto Hakaya Papua, Meme Tatu Mohani Tatu Kayu Papua, Meme Taipuka Kayu Papua, Tatu Kane, Pamotu Hap Kaveo, et Tia Taumea, Wawaitu Yayoto Yetime Atatu, Te Ame Puka, Tina Animara, Koho Aya, E Ha Hakatu, Yoto Toya Puea, E Taiwai, E Nam Tavai, Kuakaya, Uku. Te ua e pukau, e tai wahi. No te mei te hei tui tatu te ame puaka, i heke i e tūtai, e tai wahi nei o tai wahi e tūtai a, o i anai o mehme o tatu, mehme tatu hei tatu kapini, kapini na, a ti hoa te a. Te o te tou, e toi o wahi mue ia, e mea ta ake, o i a pui o te a wahi mue ia, e ka wahi ia me te ua e pukau, te tūtai ma kau kau, te tou ia te a. Te ha, e koho ai e te wahi mea he e ia no ia no tai e kaikai ia e no te ia kato no keika. Mui tato ha a kaiu o ko te Pāpua, o i haua me tatatu ia i tene i tō tatatu tau Pāpua, ti tei mea tō tatu te a tau Pāpua pūpui. E kui oto i ane ho hua puka, a e awa a te ano ia no te mea, a he wahi poromene ia, a he wahi uku ia he e pukau, tatatu e pihiti te wai. No te mea, o i te tatu tene i tau puka, tawa i e, o hoi tatu e awha, ae, awha hao e awha e nana. Tēnei tau puaka tawa i e ia, i e kona e te o mati, e nā tēnei tau maki mā ukao ia, e te o alido te tau ki tāne. E te aha kātu, i e pao maki ana e ae ku e kao e, maki ana o maki ana, no me e nam ti kau e nam te atau mea, te atau hai, mea te atau animara te keo e kai ai te aha kātu, a he e pukau mea ho i ia. O ia hoa mea he na uhua te a te keo i oto te ki i tētu i oto te kiko o tēnei animara mai a mai a e. Wow, hau hau nui tēnei animara. O iei ti tei hakatu i oto tāka i an puaka. He hou hui i te puaka i oto te Pāpua. Alo, il y a deux façons d'élever, comme on le disait, à la tâche, hein, comme on l'avait dit auparavant, mm-hmm. Et dans les cages. Hein, dans c'est les ça. Cages. Mm-hmm. Quelle est la meilleure des solutions? Ben là, je ne sais pas si l'une ou l'autre est meilleure, ça va dépendre des circonstances. Et de la personne qui l'élève. Et la personne qui l'élève. Parce hein. Que je prends le système que je fais, ouais. Mes enfants, le matin, quand ils vont, ils lâchent les cochons du parc. Hein. D'accord. Et les cochons, ils savent à telle heure qu'il faut revenir, ou bien ils écoutent le son de la hache quand ça tape sur le coco, pas, ah ouais. Ils arrivent. Et oui. Ils arrivent, quand ils arrivent direct dans le parc,
Et puis, on les enferme pour le soir, Oui. justement pour éviter les chiens. Et Est-ce que oui. c'est bien ou c'est pas bien? Alors, donc ça serait la troisième solution pour Ah, l'élevage ok. artisanal, familial, c'est le cochon en semi-liberté. Oui. Alors, le fait qu'il soit libre, il va se défendre plus facilement s'il y a des chiens Oui. que s'il est attaché. Et ils sont en Et groupe déjà? ils sont en groupe et ils vont manger, ils vont trouver à manger par eux-mêmes plus facilement. Voilà. Après, l'inconvénient majeur, c'est que ça va faire des dégâts. Voilà. Dans les fapous des Oui, voisins oui. ou dans les jardins, bon. Soit c'est chez toi qui t'appartient à toi tout Voilà, seul, voilà. mais on sait pertinemment que le cochon, il fait des kilomètres aussi, Et hein? oui, et oui. Alors, il peut aller jusque chez le voisin et revenir. C'est ça. Mais ce que j'ai appris, moi, le cochon, il ne va pas faire des kilomètres si tu le nourris bien. Voilà. Et tu lui donnes à boire. Voilà. C'est surtout l'eau qu'il recherche Ouais, beaucoup. ouais, ouais. Et la boue. Ben oui. Parce qu'il reste des heures dans la boue. Ah, il adore. Voilà, c'est ça. Ouais, Voilà, c'est ça. Il y a besoin d'eau. Donc, si on donne de l'eau à boire tous les 2 jours, il ne faut pas s'étonner si les cochons ne grossissent pas trop. Hein, c'est un besoin vital, comme pour nous. Hein. Essayez de ne pas boire d'eau, vous allez voir ce que ça donne. Au bout d'un moment, Exact. on est vite fatigué. Hein. Voilà. Et donc, et puis, bien sûr, la nourriture fait que le cochon, il va rester fidélisé à l'endroit où on le nourrit. Après, c'est super intelligent, un cochon. Hein. Et ça a des liens affectifs. Hein. Faut pas croire. Hein. Les animaux, ils sont des fois plus intelligents que l'homme. Ah oui, ils ont plus de bon sens souvent. Hein. Oui. On est tellement perdu dans nos pensées qu'on passe à côté des choses Voilà. importantes des fois. Hein. Voilà. Donc du coup, voilà la troisième solution, mais là, Semi-liberté. en semi-liberté. Alors, il y a un exemple rigolo, ça sera bien sûr impraticable ici, mais je trouve l'exemple fort, c'est à Futuna. Oui. Futuna, c'est une petite île au nord de Mais ce Fidji. sont des bouffeurs de cochons Ce sont des là-bas. bouffeurs de cochons. Par la coutume, ils sont obligés d'avoir beaucoup de cochons Voilà. pour les offrir dans les moments où ils se réunissent. Oui. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cochons. Il y a un problème de pollution, il y a tout ça, tout ça, tout ça. Et la solution qu'ils ont trouvée pour protéger les champs, c'est que Futuna, c'est un caillou qui sort de l'eau. Hein, ça serait gros comme, comment on pourrait, plus petit qu'Eyao, en fait. Ah bon? Hein, ou de l'ordre de grandeur d'Eyao, pour Oui. donner une idée. Oui. Mais c'est un peu moins pentu. D'accord? Ce qui fait que les gens habitent au bord de mer. Tous les cochons dans la Hein? mer. Après, les gens côté montagne, il y a un grand mur. Les champs sont de l'autre côté du mur, côté montagne. Oui. Et les cochons sont élevés côté bord de mer. Ah, Donc les d'accord. cochons sont en liberté. Voilà. On les voit sur le platier à marée basse, aller manger des coquillages et tout ça. Et puis, ben, ils vont entre les jardins. Voilà. Bon, ça c'était il y a 30 ans, hein. Oui, Maintenant, ça a il y a évolué. aussi des porcheries en béton et tout ça. Hein. Mais ils avaient fait ce système d'un mur continu qu'ils faisaient tout le tour de l'île pour pas que les cochons aillent manger les bananes et ravager les fapous. Voilà. Ah, c'est une Donc bonne idée quand même. voilà, c'est rigolo quand même hein, Ouais. de se rendre compte. Chacun a trouvé solution par rapport à le petit coin où ils sont. Voilà. Mais ça montre que c'est si on veut avoir un fapou qui fonctionne, il faut pas lui donner accès aux cochons. Voilà. Parce que c'est mort. T'es mort, quoi. Hein, Hein, les voilà. bananiers, on laisse tomber. Ça va fouiller dans le sol, les patates douces, c'est mort, etc. etc. quoi. Ok. Là, on a parlé de ces deux élevages-là à l'attache et puis on part, hein? Ouais. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai Ouais. d'autres questions encore parce qu'il y a l'élevage industriel comme tu fais. Ouais. Il y a un ici qui est semi, je parle de frère Émile, quoi. Mais bon, c'est une bonne chose aussi d'en parler parce que Bien lui, sûr. il suit aussi la réglementation, il a un Oui. bac à l'IGE et tout. Bon, c'est vrai que les gens s'agrandent. De toute façon, arrivé à un moment donné, l'odeur passe. Hein, arrivé à un moment donné, mais on peut pas éviter ça. Mais au moins, il se met à cheval. Il se met. Hein, on en reparlera de ça la Ok. prochaine fois qu'on viendra. On va en reparler de ça. Déjà là, pour ces deux-là, Ouais. ça concerne un peu nous, les C'est Malthusiens. ça, la plupart des C'est gens, les trois qu'on vient de ouais. parler. Je crois que les gens, ils nous écoutent. Ouais. Même les éleveurs nous écoutent. Ouais. Parce que c'est primordial pour eux de savoir quand même comment élever. Si c'est Ouais. leur fapou à protéger, ou les cochons, ou les deux, ben, il y a la solution aussi. Hein? Voilà. Alors, je crois que la prochaine fois, on va revenir Ouais. pour
continuer encore. Okay. Et moi, ça m'arrange aussi, comme ça, j'apprends d'autres choses sur Oui. les animaux. Ouais. Et peut-être un jour, quand ce sera fini les cochons, on va venir sur les bovins. Bien sûr. Parce que c'est pareil. Eh Et oui. c'est pareil pour les bovins, on va y en arriver là. Eh Est-ce que oui. tu serais d'accord, Ludo? Mais avec grand plaisir. Bon, avant de clôturer cette émission, Ludovic, je te laisse la parole pour les derniers Ouais. mots. Alors, si on veut juste bien finir cette partie-là, je vais rajouter un petit point sur les parcs. L'avantage, c'est que on peut gérer un petit peu ce qui se passe dans le parc. Et donc, le cochon, il va faire ses besoins dans un coin. Il faut Y a la penser à boue. mettre on peut mettre de l'herbe dans le parc pour qu'il mange, pour que ce soit plus facile pour se coucher, plus confortable, et aussi pour que, avec ses déjections, ça fasse du fumier. Ça sentira moins fort, il y aura moins de risque de pollution, ça sera plus facile à enlever, et puis pour les mettre au pied des arbres fruitiers, pour nourrir les arbres, et ça va baisser le risque de surcontamination par les vers. Hein? Donc voilà, c'est un point qui est important. Quand on met les aliments au parc, dans un endroit très limité en surface, il faut tenir compte du fait que ces déjections, ça va être un problème, et on ne peut pas enlever tous les jours avec la pelle, personne ne le fait. Par contre, de rajouter de l'herbe ou des copeaux ou ce qu'il y a de la sciure ou que sais-je, pour faire un espèce de fumier, ça va beaucoup aider. Juste une dernière question, Ludovic. Mon système à moi, après tu me diras non, c'est pas bon, c'est bon. J'ai fait un grand parc, Ouais. mais ça a été fait par chambre. OK. Une fois que ici c'est un peu entassé, tout ça, Ouais. on change et Ouais. on laisse là c'est tout, Ouais. Ouais. et ainsi de suite. Très Et bien. la quatrième chambre que j'ai faite, moi, c'est pour les femelles quand elles mettent bas. Parce que le mâle, il D'accord. est toujours là des fois pour embêter. Et oui. Alors la femelle, elle a besoin de se reposer. Voilà. Alors on l'éloigne. Et On oui. l'éloigne de tous les autres, C'est ça. le temps qu'elle se repose Et et oui. de mettre bas après. Et Une fois oui. qu'elle a mis bas tout, ça y est, on la ramène après Et avec oui. le reste. Mais est-ce que c'est C'est un une bon très système? bonne solution. Ah, Ah ouais. d'accord. De faire une rotation. Voilà. Hein. On peut faire ça à la main aussi quand on a un petit parc en déplaçant Oui, les palettes. Hein. voilà. Ben, il n'y a même pas besoin de déplacer, il suffit de faire une ouverture et poum, et le fermer, il reste au côté. Voilà. Ah ouais. Et de mettre les femelles et les petits à l'écart, c'est vraiment important, hein, que les petits porcelets ne soient pas dans un environnement dangereux pour eux. Oui, Hein, c'est donc, surtout quand il y a trop de gros. c'est ça, ouais. Il va Ouais. se faire Ah piétiner. ouais. Donc le fait de séparer ton parc en différents parcours et de les faire tourner, ça permet de mieux gérer les déjections Voilà. et que ça soit moins dangereux pour Les animaux aussi, l'environnement oui. et bien pour Et les même pour animaux. nous, parce que Ouais. des fois on patauge dedans, on n'a pas de bottes, on patauge Voilà. parce que ah oui, j'ai oublié mes bottes. Voilà. Alors ça évite. Exactement, exactement. Voilà. C'est une très bonne solution, ouais. Ah, Ouais. ok. Faut pas croire, moi aussi j'apprends, hein. Oui. Hein, Ah. c'est pour ça que de partager, c'est si riche pour tout le monde. Hein. Voilà, Donc oui. merci de partager ton Merci comment tu aussi as à les toi. cochons. Alors, avant de clôturer, je te laisse le dernier mot. Ben voilà, en fait, c'est Edouard qui a dit la fois dernière, et si on changeait des abeilles, qu'on parlait des autres animaux? Et ben voilà, c'est une très bonne idée. Hein. Et là, la richesse de notre échange montre que il y a plein de belles choses à aborder qui seront utiles, j'espère, à tout un chacun. Et j'oserais même dire, comme tu le fais très bien, si nos auditeurs ont envie qu'on parle d'un sujet particulier, C'est bah, qu'ils nous faisable. contactent. Oui, Qu'ils nous contactent, comme ça, on va aborder ce Ben, qui est le plus utile. de toute façon, le contact, c'est un peu moi. Quand je suis dans le Ouais. village, ils me disent, hey, on a entendu l'émission sur le machin avec Ludo. Bon, le miel, ça y est, hein, ça c'est parti, c'est en place Voilà. maintenant. Et là, on a parlé du cochon, je suis sûr et certain. Et en rentrant, je vais voir quelqu'un ou d'autres personnes qui vont me dire, hey, on t'a entendu avec Ludo pour les cochons. Et pose-lui la question la prochaine fois. Et comme ça, comme ça, comme ça. Donc, ça Voilà. permet aussi pour moi, tiens, ah oui. Et je vais lui poser cette question-là. Et Et même pour oui, toi, bien comme sûr. ça apporte un truc nouveau. Clairement, ouais. Voilà. Ah ouais. OK.
Merci beaucoup, Ludovic. Avec grand plaisir. Et quand on y a tantôt qui a fait un tantôt royal Ludo, il y a des popos, il y a des canahauta, ma ouate kauta, et il y a des canahauta, 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 et il y a des canahau